Collectif des mouvements citoyens et groupe de pression du Nord Kivu. Communiqué de presse numéro 003/001 CMC GM RDC 2023. Nous, peuple congolais, réunis au sein des organisations de la société civile, des mouvements citoyens et groupes de pression dans la province du Nord Kivu, prenant conscience de notre responsabilité et de notre devoir citoyen face au complot international et au plan machiavélique de la balkanisation de notre cher, vaste et bon pays par les détracteurs, faisant allusion à la manifestation pacifique organisée le 18 janvier dernier, tenons à saisir l'opinion nationale qu'internationale sur les dangers qui guettent notre patrie. Alors que cette manifestation avait été annoncée à l'autorité locale, comme l'exige l'esprit et la substance de l'article 26 de notre Constitution, notre procession citoyenne a été violemment réprimée par les forces de l'ordre, la police nationale congolaise et les éléments de l'EAC East African Community qui vagabondent dans la ville touristique de Goma. Tous répondant aux ordres du maire de la ville, du commissaire provincial de la police et de son excellence monsieur le gouverneur des provinces. Au cours de cette violente répression, au moins 3 manifestants ont été blessés, 6 autres brutalisés et interpellés par la police. Des journalistes couvrant la dite manifestation ont été également pris en partie. Nous condamnons avec toute la dernière énergie cette répression et compatissons avec nos compatriotes, journalistes et partenaires de la presse. Par ailleurs, cette répression révèle ce que nous craignons et dénoncions des plus belles lirettes. L'attribution de la terre, de la richesse de notre pays et la mise en cause de la souveraineté d'une partie de notre territoire national au détriment des rebelles et terroristes du M23, de M. Paul Kagame et aux États d'Afrique de l'Est et AC. À cet effet, nous appelons le président de la République, Félix Tshisekedi, des pouvoirs. Primo, retirer les troupes de l'EAC des zones qu'elles occupent pour les céder, allais-je dire, au FRDC, donc mettre fin à la fameuse zone tampon. De mettre en pratique les théories reprises dans les communiqués du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du 17 janvier 2023 en lançant concrètement les offensives contre toutes les positions occupées par les rebelles et terroristes du M23 Rwanda, à la force régionale également, de se joindre à notre armée au front comme prévu dans l'accord du mini-sommet de Luanda. Dans les cas contraires, nous les contrarions, allais-je dire, à quitter notre pays sans délai. Nous demandons également au chef de l'État de rompre dans un bref délai les relations diplomatiques et économiques avec les Rwanda et l'Ouganda, pays parents du M23, en ordonnant la fermeture prompte des frontières congolo-rwandaises et ougandaises. Les relèvements, allais-je dire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise Nord Kivu, le général Abavane,
partant de ces réactions inappropriées et non patriotes compromettant notre jeune démocratie difficilement acquise. Nous réitérons notre soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC en sigle, et rappelons qu'elles sont les seules à avoir prêté serment pour la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire jusqu'au sacrifice suprême. Au demeurant, nous remercions la population d'avoir pris part à la manifestation passée du 18 janvier. Ainsi, nous l'appelons patriotiquement à observer une ville morte ce jeudi 26 janvier de l'année en cours, façon d'épargner notre pays du plat de la balkanisation, d'exiger le retrait prompt et sans condition des forces étrangères, notamment l'EAC et la MONUSCO, qui ne respectent pas certainement leurs missions inhérentes, telles que mentionnées dans l'accord du mini-sommet de Luanda du 23 novembre, et dire non à l'arrivée des 770 militaires sud-soudanaises. À cette occasion, nous allons plaider nos milliers de nos compatriotes qui sont décédés partout à travers la province. Fête à Goma, le 24 janvier 2023, pour les collectifs des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu. Nous vous remercions. Merci. Sisi, raia wa Congo, tukiungana katika shirika la raia na vijana vuguvugu, tuikamata jukumu ya nchi yetu kuhusu komplo ambayo nchi za nje zinayofanya kwa kutaka gabua nchi yetu, na kwa kuona hali ya maandamano iliyopitikana tarehe 18 mwezi huu, na kuonesha shirika ya Umoja ya Mataifa kwa hiyo ambayo wiko napangilia juu ya nchi yetu, hiyo maandamano yetu ilikuwa ya amani na kulingana na katiba ya nchi yetu kwa kipengele kia 26. Sisi wa raia tulichapwa vikali ndani ya maandamano hiyo, ambayo tunashutumu mkuu kiongozi wa polisi na meya wa mji ambaye wamesambaza maandamano yetu ambayo ilikuwa ya bila fujo. Kwa hiyo maandamano, watu waandamanaji 3 walilumia vikali na 6 walifungwa bila kuheshimu haki zao, na wapasha habari moja moja ambaye tunatoa mkono wa pole kwao. Tunakondane hiyo namna ya kuwapambaza waandamanaji ambaye inavunja udemokrasia ambaye tumepata kwa jasho. Kwa hiyo, kulingana na hiyo, tuna denose kusema kwamba wale wakuu viongozi ambao yuko nataka kutunga njama na hizo nchi ambazo zinataka kugabula nchi yetu kwa kutamani mali zetu na udongo zetu kwa ajili ya Rwanda na shirika Umoja wa Mataifa ya nchi ya mashariki mwa Afrika. Kwa hiyo tunamuomba mkuu kiongozi wa nchi President Tshisekedi, kwa hiyo kuondoa kundi zote za jeshi la EAC ndani ya hiyo maparti wana okipe Amazon Tampo kwa kuyachia FRDC. Ni kusema sisi wakaaji hatupendi hiyo Zone Tampo. Tunaomba serikali ya Congo itoke ndani ya hiyo mateori kulingana na barua ya Vice Premier Ministre, Ministre wa Affaires Étrangères, ya tarehe 17 Januari mwaka huu, ya kwa kuanza vita mapambano na wale wa teroriste wa M23
Na tunaomba tena kwa jeshi la EAC ambao lilikuja kusaidia jeshi letu kujiunga na jeshi letu kwa kupambana na adui ili wakomboe wa ndugu zetu Ruchuru na Nyiragongo. Tunalomba raisi kwa kusema inchi yetu ivunje mapatano yote na Rwanda na Uganda ambaye ni wao wanasapoti M23 inayo leta vita ndani ya inchi yetu. Tunalomba raisi Kisekedi kwa kumtoa bila muda huyo kamanda wa polisi ambaye iko anavunja processes za udemokrasia ndani ya nchi yetu kwa kusambaza waandamanaji ambaye wameheshimu katiba ya nchi yao. Tunaonesha tena muungano wetu kwa jeshi letu la Kongo ambayo ni jeshi moja tunalo na ambayo limeprete serma kwa kukufa na kupigania udongo wa mababu zetu mpaka kutoa maisha yao. Kwa hiyo tunashukuru raia wote wa Goma ambao waliheshimu na kuja kuandamana nasi tarehe 18 mwaka huu ya, na tunawaita tena kwa upendo wa inchi kusimama hii siku ya 4 tarehe 26 Januari kubaki nyumbani na kuobserve ville morte kwa kulomba serikali yetu na jeshi ambayo ilikuja saidia EAC waanze mapambano ili kufukuza wadui wa M23 Ruchuru kulingana na mapatano ya maraisi ya umoja ya mashariki wa Afrika ya mashariki kwa Luanda tariki 23 Novemba mwaka 2022. Na tunasema sisi raia wa Kongo hatupendi ujio wa jeshi 750 ya wasid Sudania ambaye nao wana mashida huko kwao wazimalize. Imefanyika Goma tariki 24 Januari mwaka huyu kwa niaba ya shirika la raia na vijana vuguvugu wa Nord Kivu tunawashukuru. Ongeza ile kufunga mabarea. Tunalomba raisi wetu kwa kumaliza mikataba yote ya kibiashara na ya diplomasia na Rwanda na Uganda, na tunaomba kufunga mipaka zetu ambazo zinatugabula na hizi inchi mbili ambayo zinaeleta uvamizi ndani ya inchi yetu. Sinzaira na bukuse uriko limo la biso tope balani bai bazali koyoka na vyo lingala mai mozaliki na mungu mwalelo. Mukolo mwalelo tozalaki ko loba mai malekaki paraporo na manifestation na biso peko pesa ligne directive na population paraporo ya ba manifestation oyo tozo continue ko sala paraporo ya agression amboka na biso na ba terroriste ya M23 na ba pui na bango ya Rwanda na Uganda. Yango ete tolobi paraporo ya oyo ba violation elekaki na moemo mokonzi ya polisi ya Nord Kivu, tosengi na president la republique ba retire ba troupe ya EAC esika bazali toboyi donc zone tampo wana, pe tolobi ete ke FARDC ezonga esika ba M23 batikaki esika force EAC ezali. Tolobi ete ke par rapport à Mukanda, il y a vice-premier ministre Nabiso, au ministre Taliman Kamboya, il y a affaires étrangères, ba longwa na théorie, ba lancer ba offensive contre ba rebelle, na EAC, ba force EAC, o yaka ki pona kosalisa, mapinga Nabiso, ba kota pe na bitumba, ba accompagner FARDC, po toye ba mission na bango o ba kosala, ezala te za tourisme neti Monisco, e yaka ki namboka Nabiso. Yango ete tosongi na monseigneur na mokonzi ya mboka ko releve le commissaire provincial ya police oyo azo continue ko sala ba acte antipatriotique oyo na makambo ya sima elekaki a blessaki ba journaliste na
na ba activiste moko pe akangaki plus de 6 militants na kati ya prison na ye ya ya commissariat provincial yango tolobi ba relevé na Nord Kivu tolingi ete toboye dosengi ete ke na mokonzi ya mboka a rompre ba relation diplomatique na na relation économique na ba pays wana ezo agresser biso entre autres Rwanda na Uganda pe bakanga ba frontière na biso oyo ezo relier biso na ba pays wana ezo continuer ko appuyer bitumba na kati ya mboka na biso tosengi tolobi ete ke to to, to, to toza na confiance na mapinga moko o eza ya biso eza FARDC yango e preta serment pona kokegela mabele ya mboka pe kokufa pona ekolo yango ete tosengi pe na population nyonso ya Nord Kivu jeudi le 26 janvier tosengi ville morte population nyonso fana na ndako na yo pona kosala pression na gouvernement na force ya EAC yango ya ki pona ko aider FARDC na biso ba lancer bitumba pona bande ko na biso ya Ruchuru na Nyiragongo baza la libérer bazonga na vina bango ya normal bosengi na tata mo konzo ekolo Congo démocratique akanga mundelo kati ya bikolo Congo démocratique na Rwanda pe Uganda bo manyole ki penza ya solo misala ya mombongo pona bayimboka to pe economie bon pona economie na ko sloba ete bande ko na biso ya Ruchuru baza na bakaya Kanyaruchinya economie na bango ezawa pilelo yango to lobby ete ke bitumba oyo soki président za déterminé ko silisa yango azwa ba mesure farouche contre ba pays wana ezo agresser biso na na kanisi ke il est temps que mboka ezwa responsabilité nango ya ko relever économie ya ba mboka po tokoza la kaka do, toko continuer ko caresser ba voisins oyo bazo continuer ko agresser mboka na biso omoni lelo to bandaki omela mai ya la vie mais lelo bazo kotisa ba produit ba inyange wana na kati ya mboka yango pe to continuer ko rappeler population soki omeli ji inyange osombi munduki ya kobumande ko naona Ruchuru soki osombi mai ya inyange osombi munduki pona kobumande ko naona Nyiragongo yango to lobby ete to profiter pe koloba population bo boycote ko somba ba produit ya Rwanda to kovanda nenge tozali to boya ko somba ba produit wana ya ba contributeur ya bitumba na kati ya mboka na biso pona kosukisa basima manduki ba 23 ba nimisaki batu banso ete bakotikela mapinga ma EAC kaka bisika bina ba uti kolongwa kasi mapinga ma ekolo Congo démocratique te bino bolobini na tina likambo lima yango ne to lobby to sengi ete na ba président ya East Africa Community Tomi adressé nano na Chairman le président Burundi koloba ete population congolaise to boy zone tampo yango to lobby soki EAC ba yaki pona kosusu pona kosunga mboka na biso ba accompagner FARDC ko beta monguna pe ko récupérer ba territoire na biso o eza occupé na monguna yango nde to senga yango nde tina pe ya ville morte o to organiser jeudi eza neti pression ya koloba ete ke ça n'est trop Ruchuru c'est aussi le Congo Nyiragongo eza pe Congo ba FARDC oyo ba prêter serment pona ko kengela mboka ba telemela likambo wango po ba libérer territoire na biso o eza na kati ya maboko ya monguna nde ko viol lingala tondi botondi totondi o pe botondi diplomatique et économique. Avec ces deux pays agressés de notre pays, on va s'assumer. Et nous appelons la population à ne plus consommer les produits rwandais. Et on appelle la population, si tu achètes un jus Inyangé, tu achètes une cartouche pour tuer ton frère à Ruchuru. Si tu achètes de l'eau Inyangé, tu achètes une cartouche pour tuer ton frère à Nyiragongo. Voilà pourquoi nous appelons le président de la République à rompre les relations diplomatiques et économiques avec ses pays voisins et à fermer même les frontières s'il y en a moyen. Parce que on doit au moins assumer et savoir que notre pays doit résister à camp d'agression avec le moyen que nous avons. Nous sommes un pays puissamment agricole, mais c'est seulement au Congo où il y a des ministres qui quittent sans produire même 100 tonnes de maïs. Mais s'il y a la bonne gouvernance, on ne pourrait pas regretter fermer des frontières avec le Rwanda parce qu'on est un pays agricolement puissant. Et à ce qui concerne la zone tampon, Nous disons ceci. Nous lançons un message au chef d'État de l'East Africa Community que notre pays n'est pas un champ de bataille.
que ce plan-là ne va pas marcher chez nous. Nous demandons à ce que les zones tampons soient relevées, soient supprimées, et que là où les M23 abandonnent, notre police et notre armée doivent y aller pour donner l'espoir de paix à nos populations qui s'y trouvent. Et le jeudi, vous aurez quelle activité? Nous appelons le jeudi à une ville morte. Toute la population qui se comprend, qui comprend que Bunagana, Rutshuru, Kitukatwiguru, Kiwanja, Kibumba fait aussi partie du Congo, doit rester à la maison pour dire au gouvernement de lancer les offensives contre les terroristes du M23, parce que Rutshuru c'est aussi le Congo, et nos frères doivent reprendre leur vie normale. Ça n'est trop. On est presque à une année où rien n'a changé, et on a une force régionale là qui est devenue aussi observatrice, comme était la MONUSCO, et nous voulons que les opérations soient lancées. Si l'EAC n'accompagne les FARDC au front, qu'ils rentrent chez eux, parce qu'on ne veut pas avoir une MONUSCO de plus. Toute la population doit rester à la maison ce jeudi pour compatir avec nos frères de Rutshuru qui sont en train de souffrir dans les cas de Kanyaruchinya et de Don Bosco. J'ai entendu que vous avez dit par rapport au... si les EAC refusent, vous avez demandé au président de lancer des hostilités. Oui, nous avons demandé au président de la République, comme il y a les FARDC qui ont cette obligation selon le texte réglementaire du pays de nous sécuriser, et ils ont prêté serment de mourir pour la patrie. Nous appelons le président de la République à lancer les offensives et aux dirigeants de l'East Africa Community d'activer l'option offensive contre le terrorisme du M23 pour que nos territoires soient libérés de mains de rebelles. César, à l'actualité, l'oblige, tu sais que dit boycott la rencontre qui était prévue à Doha aujourd'hui. Comment vous réagissez à cela et comment vous analysez cela? Nous félicitons l'action du président de la République parce que le président a ouvert le bras à Kagame. Et aujourd'hui, si le président est en train de prendre des actions, c'est par rapport à la volonté de sa population. Le peuple était contre cette rencontre et aujourd'hui, nous félicitons le bravoure de Tshisekedi qui refuse de rencontrer ces sanguinaires des terroristes de Paul Kagame qui est en train de semer désolation dans notre pays. Selon vous, pourquoi le Qatar veut aussi entrer dans la danse, en fait, de s'impliquer dans cette crise qui touche la RDC et les Rwandais? Mais nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi on est en train de dénoncer ces complots internationaux. Mais quelle leçon de paix le Qatar peut nous donner aujourd'hui? Parce qu'il ne représente plus rien, c'est un pays stable, ils ne connaissent rien de la guerre. Ça veut dire que nous comprenons maintenant que c'est un complot international et chacun veut tirer sa part du gâteau pour se retrouver dans cette mauvaise gouvernance qui se passe dans notre pays. Donc le refus de Tshisekedi est salué par les mouvements citoyens à Goma, c'est ça? La population entière, c'est pas seulement le mouvement citoyen, c'est la population entière qui ne voulait pas que notre président puisse rencontrer ce sanguinaire qui sème de désolation dans notre pays. Ville morte, manifestation, où vous appelez des violences le jeudi à Goma? Il n'y a pas de violence. Nous appelons la population à observer une ville morte. Ça veut dire que... Ça veut dire quoi, ville morte? Ville morte, ça veut dire que si tu es congolais du sang et que tu comprends que Rutshuru fait partie de tes territoires, tu dois rester à la maison. Une façon de dire au gouvernement de lancer les offensives contre les rebelles et de libérer nos frères qui sont pris en otage à Rutshuru et à Nyiragongo. Il y a un processus quand même, vous savez, on doit suivre l'esprit du communiqué de Luanda. Le processus en a trop. Le processus jusqu'à quand? Nous ne savons pas jusqu'à quand on va espérer à des processus. En Swahili, on dit ceci, nous avons eu la MONUSCO en 98, qu'on pensait que c'était un espoir pour libérer les Congo. Mais aujourd'hui, nous connaissons des pires en ayant une mission la plus importante au monde, aujourd'hui qui a endeuillé notre pays, juste parce qu'on disait attendez. Jusqu'à quand nos frères de Rutshuru seront esclaves des terroristes du M23, Rwanda, Ouganda. Jacques Seter, merci pour cet entretien. Nous vous remercions.